Salam alaikum tout le monde. Alors, je fais cette petite vidéo pour informer les Algériens qui ne sont pas au courant. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas au courant. Il y a une ville, en tout cas, aux États-Unis, donc en Amérique, qui s'appelle la ville Émir Abdelkader. Donc, je ne sais pas vous si vous le saviez, mais moi je le sais depuis un petit moment. Mais quand je parle avec certains Algériens, ils n'étaient pas au courant. C'est quand même une ville qui a été construite sur l'histoire glorieuse de l'Émir Abdelkader. Donc, moi je trouve ça juste incroyable. Que les États-Unis, en tout cas l'Amérique, on sait, on les connaît tous, on sait qu'ils ne sont pas toujours très, très cultivés, en tout cas de ce qui sort de chez eux. Et donc même eux, ils sont admiratifs tout simplement par, et même éblouis par la résistance coloniale française que notre émir Abdelkader a combattu grâce à sa force et son courage. L'Ahmad. Donc quand même, au-delà des frontières, on se rend compte que l'Algérie est admirée pour son passé, elle est admirée pour son présent et Inch'Allah, elle sera admirée pour son futur. On ne cessera jamais d'être impressionné par ce pays avec tant de baraka grâce à ses shuhada, l'Ahma. Et grâce à ses shuhada, elle sera toujours au sommet. Donc là, je vais vous passer une petite courte vidéo sur cette ville. Après, moi, je vous invite à faire vos propres recherches qui ne sont pas vraiment compliquées. Vous tapez sur YouTube, vous tapez ville Émir Abdelkader dans l'Iowa, ou tout simplement vous tapez aux États-Unis la ville Émir Abdelkader, et vous allez voir, il y a tellement de vidéos là-dessus, on les voit faire le couscous. Moi, j'ai trouvé ça super génial. Et moi, j'avais appris cette histoire il y a déjà presque 10 ans, mais j'avais jamais eu l'idée d'en parler sur les réseaux parce que pour moi ça avait du sens que vous étiez tous au courant. Mais là je me rends compte qu'il y en a plein qui sont pas au courant, donc vous n'hésitez pas à faire passer le mot. Soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre passé, supportez l'Algérie coûte que coûte. Et moi j'ai juste envie de dire Tahia Jazeera. Dernière petite chose, si tu es intéressé par l'Algérie et tu es amoureux de l'Algérie et par des petits contenus que j'arrive à prendre par-ci et par-là parce que je me renseigne beaucoup sur l'Algérie, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Et en plus, j'ai remarqué que depuis que je parle de l'Algérie sur TikTok, enfin, j'ai toujours parlé de l'Algérie, mais là, depuis quelques temps, on bloque tous mes pour toi. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Déjà, lui, il y en aura tout le temps. Abdelkader est une ville de 1500 habitants. Située dans l'état de l'Iowa, aux États-Unis, elle est le siège du comté de Clayton. Le nom de la ville est un hommage à l'émir algérien, Abdelkader, pour sa résistance à l'occupation coloniale française. Yeah, la moindre chose de Krakbelzaïr est très 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 importante. Et je pense que ma façon à moi de... je l'ai trouvé à Abdelkader.